Project. C'est Alpha combien du coup? Ah, vous, les Terran, vous avez tous la même voix. En fait, Aibot, c'est Léopold. Le cousin de Project. Léopold. Beta. C'est moi. Alpha combien? Une voix de rageux. C'est Alpha 69 98. 98 oh. 6 9. On va s'aimer. 9 8. Ok, c'est bon. C'est vrai? Alors, oh c'est oui. Pas ça, c'est bah, je crois. Hein. Alors, t'es chaud, Cybot? Pas trop. Ah! Ah! Ah, merde! Ah, si, si, non, j'ai pas joué aujourd'hui. Ah, bah super! Mais tranquille. Tu t'es inscrit là? Ah, c'est... Il a dit. Non, mais il a dit qu'il a pas train. Enfin. Ah, mais y'a un DT là! Putain, mec, je voyais des petits flashs, j'étais en mode. Ah, c'est marrant, mon Nimo il fait des. il fait des petits gros de gauche là? Non, mais je te jure, mec, je. D'accord, je suis aveugle. Ok. J'en aurais fait deux, j'aurais gagné quoi. Okay. Ah, d'accord. Ah, bah d'accord. Bon, bah ça se passe bien. Zephyr, hein. Balance le lien du stream. Zephyr envoie le stream dans le chat! Faut tout faire à sa place, hein, incroyable! Bah oui, moi je suis une star, mec! Tu veux quel lien? Ouais, je suis sur MG. Il a pas dit GG. Ah, oh, c'est pas. Non, c'est bon, j'ai le lien. J'ai déjà changé le titre, hein. Oh, putain, j'ai perdu le. Je vais lancer le casse direct. Ah oui, bah, je vais lancer comme un barbare, moi. Avec les 2 minutes. Donc c'est Zerka qui joue? Ah, c'est Zerka. Aller... Non, on va aller faire des views. On va faire des viewers, les gars, quand même, hein. Quand même, là. Bon, c'est qui rote en direct, nous? Qui est-ce qui rote? C'est pas moi. J'ai tapé stream sur mon truc Google. Putain. Je suis le pire. Ça sent la fatigue. Par contre, il y a Davon, il fait de la confiance, là, il a 7 viewers. Du coup, mon cerveau, il est nul. Il est où? Putain, il a 7 viewers! Bah, c'est bon, c'est fini, y'a plus qu'un viewer là. Ouais, c'est mort pour nous quoi. Non, mais... Regarde sur Bennett, sur l'alpha, il y a. Ah, mais t'as pas rejoint le canal! Bah, il faut que je rejoigne le canal. Il est pas lancé le stream, les goulots! Et regarde là, y'a des follow en plus. Ah, mais il est pas sur le. Ah, follow! Ah, follow you! C'est dégueulasse quoi! Quoi, non, y'a que. Oh, mais quel c'est trop bien. J'ai pas été invité dans le lobby. Allo, c'est quoi le numéro? Est-ce que vous pouvez m'inviter dans le lobby, s'il vous plaît? Au secours, je suis pas dedans. Invitez le streamer dans le lobby. Tu peux join Zerka dans le lobby, tu vois. Même Cybot. On est au pire, Cybot. Light, tu castes avec moi du coup? Ouais, attends, je finis juste ma game, ça arrive dans 2 secondes. Oh putain, l'année qu'on a reculé. Mais je joue contre Iron, je joue contre Iron donc. Mais sinon, je peux caster avec toi. Ah bah vas-y. Mais oui. Allez. TVT, moi j'ai une grosse maîtrise. Iron gagne, il va encore dire qu'il. Y'a qui je rejoins. Non, mais au pire, fais avec Zephyr, parce que Zephyr il va connaître un peu mieux que moi le TVT. Ah, Light il caste pas. Ouais, mais c'est bon, j'ai pas vu. GG. Invitez-moi s'il vous plaît. Il est marrant ton build. Par contre, ça aurait été un peu plus marrant pour moi si j'avais remarqué que c'était un DT et pas. Oui. Surtout que si tu regardes le replay, tu vas voir comme la cam elle est pile dessus. Mais depuis le début, depuis que mon Nimo est sorti, tu vas d'arbo. J'imagine bien. Voilà, c'est bon, je suis dessus. Je trouve pas le stream, les amis là. Il est où? MG, trop du cul. Tu viens pas caster? Tiens, je t'envoie le lien. Non, mais c'est bon, j'ai pris lien, mais dans StarCraft 2, je pense. C'est vrai à deux. Ah mince. J'ai envie de te détruire là. Ah! C'est de moi dont on parle. Ok. Caster's ready. Ok. Le stream il est en général. Mon. Quel général? Le général AW. Bon. Tu vois le colonel, et ben il a été promu avec ses dans le cul. Bon. Il y a d'autres trucs entre colonels. Bon, vas-y, j'ai lutte, les gars. Et qui? Vas-y, nous on va bouger. Allez, bouger. On descend. Bouger. Bismillah, comme on dit. Oh là là, mais je casse avec mon bro Light en plus, mais c'est vraiment trop bien. Genre, aujourd'hui, je casse Vini et je vais casse Vini avec toi en plus. Putain, mais. Oh là là. On va pouvoir le trash, terrible. Oh, ça va être trop bien. Est-ce que t'as vu sa game d'hier? Où il a fait le BO Swarmost sur une base? Non, pas du tout. Oh putain. C'est ça contre qui? Contre un mec en ladder. Bon, allez, vas-y, je te laisse présenter le faux coréen, le faux Maru. Allez. On a en haut à gauche
Le joueur bleu qui a mis 3 secondes avant de lancer son premier SCV, il appelle l'excuse du lag. Ah. C'est Saibot qui met une pause manœuvre. Non, it's ok. Ok, ok. Le joueur fake Maru. Le fake Maru, c'est le Maru du Lidl, ça, un peu. Il sait reprendre. Bon, allez. Et face à lui. Allez, c'est le seul qui a remarqué, bien sûr. Et let's go. Et face à lui, le manœuvre AW. Saibot. Le joueur qui est donné perdant par toute la team. Saibot, il est quel MMR à peu près? 4300, 4400. Oh, tu vois ça sur la map? Ça, c'est un proxy Rax. Proxy de Rax Reaper, je dirais. Ouais, proxy de Rax Reaper. Et de l'autre côté, on ne lance pas les casernes. C'est pas celui que je préfère. C'est pas celui que je préfère. Ah oui? Tu préfères quoi, toi? Non, mais la manière dont il l'a fait, je veux dire. Parce que là, les VSS, ils... enfin, genre, il y en a un qui se fait toucher la bite pendant 10 secondes, tu vois. Hmm. Alors qu'il aurait pu miner une fois ou deux. Oui. Mais voilà, il a fait le 15-15. Mais après, sachant que le 15-15, il peut y avoir le 15-15-15. Donc après, un Rax chez lui. Après, c'est la différence, ça, entre quelqu'un qui est 5K et quelqu'un qui est 4K4. Hein. Ces petites optimisations à force. C'est vrai. C'est con, mais c'est. C'est pas 15-15-15. Donc il n'y a pas de 3ème Rax, c'est que 2 Rax. Et son adversaire qui est parti sur 2 gaz. Du coup, il va avoir un excellent de minerie, Saibot, et donc il va poser une B2 assez rapide. Il est pas bien là, Saibot. Hein. Concrètement, s'il fait pas de dégâts et qu'il micro pas extrêmement bien, avec 2 Rax Reaper contre un 1-1-1, ça va être un peu compliqué là. Mm. C'est bizarre alors de faire un build qui est faible contre le build méta en fait. Non? Bah en vrai de plus en plus les joueurs ont commencé à partir sur du non 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 c'est pas des c'est des maraudeurs qui sont partis là. Ok. Le joueur qui me surprend c'est Saibot qui est parti sur proxy maraudeur. Bon ils sont pas hyper proxy mais en vrai ouais ils sont quand même loin. Ouais ils sont loin parce qu'ils vont devoir faire tout le tour par la B3 là. Ah ouais. À ce niveau-là, j'aurais préféré celui de Marine Lord, tu vois. Que tu poses dans la B1. Il est fait à côté de la Xenaga, il est left et... Il sort sur combien... il va sortir sur combien de maraudeurs, là? Sur 3? Le truc, c'est qu'il a balancé tous ses CV à la maison, donc c'est un peu bizarre. Il a balancé son orbital. Normalement, on est d'accord qu'on garde les CV, hein. Ça dépend. Enfin, notamment du bunker. Ouais, moi, j'ai vu plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt mais comme il ça a surtout pas balancé son orbital, là, en fait. Il a pas le gaz, il a pas le minerai pardon, parce qu'il a préféré lancer un supply dépôt plutôt que l'orbital. Mmh. C'est un choix. Et là il va choper. Je suis pas d'accord avec, mais bon. Ah, il va choper le. Il va choper le. En vrai c'est pas mal, c'est parce qu'il a chopé le Hélion. Après le Hélion c'est vraiment pas l'unité qui lui faisait le plus peur. Ouais. Bon il va choper le VCS là. Après il a vraiment d'unité qui lui fait peur à ce niveau là. Non parce que. Là, en fait, il va pouvoir faire de dégâts je pense. La question c'est comment est-ce qu'il gère les deux Reapers qui vont arriver chez lui. Hein. C'est exactement ça. Parce que là il va gérer tout ce qui est en défense. Ouais, là il faut vraiment qu'il pète un supplé, mais ça va vite aller. Il va y avoir un Reaper, un Hélion pour défendre contre 4 Maraudeurs, je pense que ça va bien se passer. Ça peut bien se passer, en fait ça dépend vraiment. Ça dépend comment les. Comment ça se passe de l'autre côté de la map en fait. Le cœur qui tombe. En fait, il a décidé de back les terrains bleus en faisant aucun dégât chez Saibot. Saibot qui est très bien dans ses games, hein. Je pense qu'il a gagné. Ouais, Saibot là il a juste à hit and run et c'est gagné pour moi, je pense. Oui, je pense. Parce que l'autre il a décidé de faire du tank. Son bunker a toujours pas terminé. 9 VCS qui sont déjà tombés. Saibot qui se retrouve avec un build proxy avec l'avantage. Alors là, micro, bon, par contre, là faut fight mais... les maraudeurs qui ne les deux maraudeurs qui n'ont pas fight beaucoup. Mais ouais. 15 le VCS. Le bunker c'est toujours pas construit parce que y a le VCS se touche la bite depuis 15 secondes. Exactement, le VCS enfin, ça va continuer. Par contre, là il y a 3. Il y a double population. Ouais, il a... Le premier tank qui va sortir dans 10 secondes, dans 2 secondes maintenant. Ouais, mais là qu'est-ce qu'il va faire? Il peut snipe le tank. Hein. Ouais. Ah non, il a pas ça. Ouais, le tank est loin, va falloir. Là, faut aller se poser derrière la B2 parce que le tank n'aura pas la portée. Le match, s'il était pas dessus. S'il était dessus, je pense qu'il aurait pu juste. Ouais. Allez, vas-y. Non, mais prends pas le dépôt. Prends pas le dépôt. Là, faut fight. Fight les VCS. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, moi, je tourne autour du tank, hein. Je pense. Ah, le premier. Oh là, il a pris tel. La première ligne qui a aidé le Saibot plutôt que autre chose. Bon, Saibot qui se retrouve. Une CC là. Saibot qui se retrouve quand même avec 10 VCS d'avance. Hein. Il est bien dans la game, par contre, là, faut qu'il lance son orbital. Il a pas d'orbital et ça c'est tellement dommage. Bon, il lance enfin, il lance son deuxième CC. Et il lance son deuxième CC donc il est bien. Et là il continue à lancer la factory. Il lance des maraudeurs par deux pour être safe. Ouh, la contre-attaque du joueur bleu avec 3 Reapers en vrai. Ouais, en fait le tank est séché en plus. Là il aurait dû pas quelques Reapers pour défendre. Là, ouais, là il va falloir défendre je pense. C'est les bots à la maison. Et il pourrait lancer le. On va plus faire grand chose.
Sidebot qui écoute Nirek. Il poil sur Sissim. Le problème c'est qu'il c'est plus rentable dans cette game d'avoir quand même. C'est 3 VCS, c'est 3 Reaper qui risquent d'équilibrer la game et c'est ça qui va être dangereux. Équilibrer, voire la finir en fait. Parce que la finir, c'est pas vite. Enfin, la finir. En tout cas, il va jamais passer. Il passe jamais là. Il est en train de donner ses maraudeurs gratuitement. Aïe aïe aïe, quelle mauvaise idée. Ah, il faut, faut se barrer là. Non, non, quand on fait ça, on fait avec une Rax qui vole et qui se met au-dessus du wall de. Ah, non, ouais, GG. Ah, c'était gagné. C'est dommage, il avait juste à reculer ses VCS. À reculer ses maraudeurs et ouais. C'est dommage. En fait, il aurait juste reculé ses maraudeurs et il avait gagné la partie en fait. Il empêchait de prendre B2, il l'empêchait de descendre. Avec un et reculer 2 maraudeurs, 3 maraudeurs et. C'est dommage, c'est dommage. Bon, est-ce que tu peux faire venir Sidebot, s'il te plaît? Et interview post-match, Sidebot. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous aviez gagné. Qu'est-ce que vous avez décidé de perdre? Peux-tu nous décrire la game? Mais, ouais, mais en fait, tu regarderas, il est resté 9 VCS. Quand tu... Ah ouais, je sais, hein, je l'ai tué, hein, franchement, je l'ai tué en écho. Mais... Et en fait, t'as juste, tu rentres tes maraudeurs chez toi, tranquillement. Et tu repars macro et t'as gagné la partie, en fait. Ouais, j'aurais dû rentrer chez moi. Ouais. Mais monsieur, le tank, pourquoi vous l'avez pas focus quand il est sorti de la factory? Il y avait le bunker et tout, j'allais me faire des boîtes, je pense. Il y avait 3 marines, non? Il y avait 3 marines et un Reaper. C'était. 2 marines de Reaper, je veux dire. C'était vraiment. Avec ça comme maraudeur, tu touchottes le tank. Tu touchottes le tank et après tu prends la fight dans les VCS. Ouais, non, mais j'ai fait de la merde. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. En vrai. Tes impressions sur cette game quand même? Pardon? Tes impressions sur la game quand même? J'ai trop. Ouais. Après, j'ai regardé le replay, mais. Mm-hmm. Je sais que j'ai pris beaucoup de VCS, mais. Tu sais qu'en termes de récolte de ressources, le bug il est passé à 0. Ouais. Et l'orbital c'est fait exprès ou c'est une erreur? Non, c'est fait exprès parce que j'ai commencé à switch. Du coup, quand j'ai vu qu'il a commencé à sortir un tank et tout, je me suis dit je pourrais pas bosser. Ah, donc dans le build, c'est fait exprès de pas avoir d'orbital? Oui, de base, oui. D'accord, ok. Mais après, ouais, j'aurais pu la faire parce qu'à la fin j'avais dû me mais... Ok. Ok, ok, ok. Le prochain joueur, ça va être. Ça va être Iron, pardon. C'est Iron qui joue sur quelle map du coup, Iron? Iron qui va jouer sur Nightshade, donc Belladon. T'as joué contre Iron, Sidebot, récemment? Récemment, non, mais j'avais déjà joué contre lui okay. Avant. Ok, fini. Comment tu le sens là? Sur son Iron. Adversaire. Je sais pas qui c'est son adversaire. Son adversaire qui va être un Protoss, apparemment c'est du PVP. Donc, je suis pas dans le chat, donc. Oui, je sais pas encore si le. Je pense qu'il est chaud en PvP. Iron Ouais. Tu penses ou tu le sais? Je pense. Ok, super. Après, non, il a quand même 66%. Non, je pense qu'il. Bon, après, il a que 6 games. Je regardais la saison d'avant. C'est un match-up qui le fait tilter. Ah. Belladon EC créé avec un module. WSS qui est Mart créé en salon. Non, ça va, il a 56% de win rate contre Protoss donc. Allez hop, c'est host, lobby link, hop. Hop. C'est joint. Iron Gold qui est là. Toc, et je ne parle pas de ce qui se fume. Hop. Hop là. Invitation pour la bon. Partie, j'invite Maro. On va te laisser retourner avec avec les autres. Ok, ça marche, ça marche. Salut, salut et bizarre. Il joue contre qui du coup? Merci. Ah, okay. Il a joué contre le Protoss en face qui s'appelle. Pas Maro, parce que Maro est Terran. Qui s'appelle comment du coup? Je ne sais gars, il n'y a pas marqué. Elle a pas marqué. Ou play soit. Oh. Hop là, on va voir. On va aller sur le fichier. Je vais regarder sur le fichier. Ok, mais je vais demander who plays. Normalement, c'est un 4K9 si j'ai bien suivi ce qui se passait. ADR, c'est ADR du coup. Hop, invitation pour la partie. Alpha. Ah, c'était ça. C'est ADR en majuscule. Invited. Et Vivi qui joue contre Foulard après. Hop là, ah non, j'ai bon confidentialité, bien. Hop, pas d'historique de partie, bien sûr. Sequait VC, ok. Ah, ça c'est ce qu'on appelle le pipi du stress. Voilà, c'est le fameux pipi quand on a un peu le stress, ou alors c'est parce qu'on a joué depuis 2 heures et qu'on a oublié d'aller aux toilettes. Exactement. Mais souvent c'est le pipi du stress. Hein. Est-ce que je kick Sidebot ou pas? Du spec? Ouais. Comme tu veux, pour l'instant il dit rien donc. Ouais, bah, comme... bah de toute façon on verra. Pour ce que ça coûte. Et t'en as pensé quoi toi de la game de ces bots?
J'avoue que j'étais un peu... En vrai, tu vois, c'est le problème des games comme ça où t'as un joueur qui a gagné et puis qui décide de perdre. Ouais, il a pas décidé de perdre. Non, mais tu, en fait, tu vois, t'as un move évident en fait qui est évident pour les casters parce que nous, on voit tout et on... Ouais. Et en fait, et nous, on est à tête reposée. C'est vrai que dans un match, t'as plus de tension et tu vois pas les trucs en fait. Et... Après, il y avait trois reapers quand même. Je veux dire, dans la fight, ça se voyait quand même qu'il y avait des reapers, surtout qu'ils ont balancé des mines, etc. Non, je suis d'accord. Donc, c'était logique quand même qu'il pourrait y avoir une contre-attaque, effectivement. Il aurait pu se positionner devant la B2. Enfin, moi, la première chose que j'aurais fait déjà, c'est me positionner devant la B2. Et en fait, déjà à partir de là, ça aurait été mieux parce que si je me rappelle bien, dans cette map, il n'y a pas de spot pour aller directement dans la B2. Non, il n'y en a pas. Il y a un petit coin par la B2, mais il faut passer par la B2 de toute façon. C'est ça. Donc en fait, juste se placer devant la B2 déjà, ça aurait été plus successful, je pense. Ouais. Mais bon. Et en fait, le problème aussi, c'est qu'il a donné tous ses maraudeurs en essayant de contre-attaquer alors qu'il aurait juste reculé et temporisé un peu avec les VCS en mettant quelques-uns en auto-hyper. Il n'en perdait pas tant que ça en fait. Il mettait 4 VCS en auto-hyper, il négligeait le dégât des Reapers. Il reculait ses maraudeurs pour les repousser, il avait gagné. Hein. En fait, il y a plein de trucs qu'il pouvait faire, mais malheureusement, le problème c'est quand on est. Enfin, a posteriori, c'est facile de le dire, mais quand on est dans la game, c'est. Bien sûr, après c'est comme ça qu'on progresse. Hop, voilà. Bon, les deux joueurs sont prêts, je lance. Hop, je mets un petit GLHF dans le salon. C'est en voyant les erreurs ensuite et que voilà, on adapte son gameplay. Et... Ouais, c'est sûr. Mais bon. C'est quand même malheureusement. Voilà, c'est dommage. C'est un point qui peut coûter cher parce que y a quand même tous les maps sont importants. On va voir ce que ça donne au final. Donc là on a Iron qui part sur un PVP. PVP qui est le matchup quand même qui le fait le plus chier. Qui le fait le plus chier, mais en soi il est pas mauvais. Mais c'est vrai que c'est pas un matchup où tu sens qui est très solide. Parce qu'il faut quand même beaucoup d'expertise dans ce matchup. On va pas se mentir. Bon, donc Iron qui part en protos violet. Bon choix de couleur, c'est joli. Ouais, très chiant sur le creep. Hein. Oui. Je tiens à le dire. Puisque j'ai fait quelques games contre lui et le creep invisible. Ces îlots sont invisibles. Ah, c'est ça que moi voilà. Je mets toujours couleur alliée, comme ça j'ai toujours un adversaire en rouge et comme ça je le vois bien. Ouais, bah t'as bien raison. Parce que en haut à gauche on a le joueur vert de la team NMSQ. Voilà, très dur à dire. Et ADR. No Manual Squad, apparemment. Donc ils sont pas manœurs. Pour l'instant ils ont l'air bien manœurs et bien sympathiques quand même. Comme quoi ouais. Comme quoi, alors que hier, voilà. Alors que voilà, hier, hop. C'est parti, a priori, deux gates expo des deux côtés. Tout à fait standard. Je vais juste à le tape 2 secondes parce que je vais baisser le son du jeu, moi, dans mes oreilles. Nice. Le son du jeu un peu fort, et parce que je ne t'entends pas assez fort, en fait. Sachant que ADR a fait son double gaz plus tôt que Aaron, ce qui indique une volonté peut-être technologique plus importante avant de poser B2. Est-ce que tu penses que Iron est du style à faire le JTOL build? Pas du tout. Pas du tout, je pense. Déjà, je pense pas qu'il connaisse le build, en tout cas comment l'exécuter. Et je confirme juste ce que j'ai dit avant, il y a eu une prise de deuxième gaz très rapide. Donc il y a 4 props qui minent du gaz de la part d'ADR, bien plus tôt que Iron qui lui, en fait, il a pris ses deux premiers probes et ensuite les met en fonction d'une excuse qui sort les probes. Donc va y avoir de la technologie plus rapide chez ADR. Probablement du Stargate. Ouais, en général c'est Stargate quand on a besoin de beaucoup de gaz. Qui normalement devrait être confirmé par un départ. Il fait le pylône chez lui. Il veut jouer safe, je pense. Il va faire de la technologie, il va jouer safe. Les deux joueurs ont leur pylône proche de la ligne de minerai d'ailleurs pour pouvoir poser une batterie shield facilement. Parce que ça, le moment où tu dois poser une batterie shield mais que tu n'as pas de pylône à côté de la ligne de minerai, c'est con. C'est la mort. Et donc on a un opening Sentry Stalker contre double adepte côté Iron. Sentry Stalker. Sentry Stalker, c'est en général un opening très. C'est très très safe. Hein. C'est macro, c'est défensif. Comme c'est confirmé par ce pylône en bas de la rampe d'ailleurs. Ouais, là il va y avoir une B2. Oula, petit proxy de la part d'Iron. Alors je me demande, c'est possible, qu'il fasse le même build qu'il a fait contre moi pour s'échauffer. Donc à base de DT. Voilà. Donc on va voir s'il va y avoir un petit DT qui arrive. Ah dommage, il a pas pris la prop de scout. Qui arrive de manière très rapide. Il l'a vu un peu tard. C'est important de l'avoir, je pense. En fait, la probe, elle va scouter. C'est parti pour. Hein. Qu'est-ce qu'elle va scouter cette probe, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche le troisième pylône. Elle voit pas de pylône en bas. Ah, il ne se wall pas. Non, faut wall. Ah non, fallait wall. Il laisse passer la probe. La question, là, il coûte qu'il n'y a pas de pylône en bas, il n'y a pas de technologie chez lui. Et son adversaire qui se wall à la batterie shield. Très standard. C'est parti, hein. Ouais, là, c'est pas très bon là. Parce qu'il va perdre ses deux adeptes. Les deux adeptes qui vont mourir. Il va perdre les deux, il tue pas la sentry. Il tue pas la sentry, il tue pas de son cœur parce que de toute façon voilà. Il se retrouve. Alors là, faut voir. Hein. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de robot, pour l'instant, il n'y a pas de target. Donc, tu l'as compris vraiment? Je ne sais pas.
Pose B2. Sensor pose B2 et pose une robot. Ah, il pose robot. Donc ça c'est le BO très très safe du PVP. Hein. C'est, voilà. Après, c'est 4 unités. Il peut faire la même erreur que moi, hein. C'est-à-dire faire un immortel plutôt qu'un ops et il arrive et il pète le pylône et t'es en mode ah. Et il part en quoi? Il part pur d'été ou est-ce qu'il part Oula. Bon, il a pas scouté. Le Soulcœur qui n'a pas un les Soulcœurs de son coup, celui-là. Les il deux va scouter. Il va scouter, il va scouter, il va scouter. Il va scouter. Aïe aïe aïe. Là il va falloir poser un pylône. Il cancel sa gate. Non. Il non, il fallait poser un pylône à côté du bataille d'été. Et surtout qu'en plus son adversaire, il va poser sa B2, là. Il va dire qu'il va poser sa B2 je pense. C'était DMF. Est-ce qu'il tente le DT ou pas du là. Tout Ce qu'il peut faire là c'est cancel la Dark Shrine et poser une Dark Shrine chez lui. C'est vrai. Bon le pylône ça sert à rien de le tuer dans ces moments là le pylône. Hein. Ouais parce que la bataille d'été rappelons-le, même s'il n'est pas alimenté, il est actif, ouais. C'est-à-dire qu'il peut quand même produire des DT. Le bataille d'été qui est cancel, et là il va fight, par contre il se rend compte qu'il n'a pas assez de stalker pour fight l'armée de son adversaire qui a un stalker et une sentry de plus, qui sont les deux adeptes qu'il aurait eu. Par contre lui il pose son archive des templiers, comme ça il aura acheté accès aux HT, donc aux archons. Par contre, ce qui est pas fou, dans la situation dans laquelle il est, puisqu'il n'a pas de robot, donc il va pas pouvoir agresser frontalement. Exactement. Il va pas pouvoir dropper non plus. Et c'est plus, vraiment la solution low cost. Ouais. Et en plus, en général, l'archon sans charge d'autre, c'est quand même pas non plus l'unité dont on rêve en fait. Clairement. Ah bah là, il le sait puisqu'il pose. Oh là, il pose et robot et Twilight. Ouais, et il refait toute sa technologie. Il est un peu obligé. Par contre, là, il va avoir un timing dur à défendre et son adversaire qui scoute tout. Son adversaire, ouais. C'est tout là actuellement avec son. Avec et son il joue Phoenix. Safe, hein, il joue bien. Il joue bien, il joue safe. Mais la compo son adversaire qui fait beaucoup plus peur actuellement avec deux immortels qui sont en train de sortir, le plus un attaque de lancer. Et ouais, là, il est vraiment avancé technologiquement. Cette forge, en fait, l'avantage exact, la différence entre les deux joueurs, c'est l'immortel, la forge est plus en attaque. Hein. Et un peu plus de probes déjà en vrai. Et un peu plus de probes. Et en échange, du côté d'Iron, c'est cette archive des Templiers qui est petit avantage. Mais bon, et la charge qui est lancée plus tôt. Mais à culpa, il n'y a pas plus de probes. Par contre, il y a des probes qui ont miné sur la V2 plus tôt. Oui, tout ça. Ils ont été mieux répartis. Iron qui a continué à probe dès qu'il a été scouté. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas mis de. Alors par contre là je pense qu'il y a eu une agression de la part du joueur bleu avec simplement des sentries immortels stalker avec leur prism qui va arriver très bientôt. Ça peut se faire archi crush par la super batterie de bouclier. Notamment avec des batteries voilà. Par contre là faudrait qu'il soit qu'il scoute soit qu'il enchaîne une deuxième batterie de bouclier là. Parce que là. Le problème c'est que la charge va pas arriver à temps. Non il n'y aura pas la charge à temps. En fait ce qu'il faudrait c'est qu'il ait un archon là. Là il a de quoi faire un archon. Est-ce qu'il va se faire un archon maintenant? Non. Oh non, déjà qu'il utilise de l'énergie. Est-ce qu'il balance la Il l'a pas vu j'ai l'impression. Il le voit normalement. Il l'a vu, il le voit en lisière. Ah c'est bon, il se prépare. Là, il faut poser des batteries. Il a sa super shield batterie qu'il va utiliser. Il va snipe une première sentry. Ouais, mais ça se fait péter en fait. Le problème c'est que. Il snipe. Certes, la super charge. Le super boost de la batterie, ça permet de faire en sorte qu'il y a une unité qui ne peut pas mourir simplement. Mais le problème c'est qu'il suffit de focus la batterie et c'est exactement. Et là il y a deux immortels et les tartes des immortels sur les stalkers, ça fait toujours plaisir. Aïe aïe aïe, on est mené 2-0 là par contre, on va devoir compter sur nos deux airs du coup pour remonter. C'est ça, Vini et Dondada qui jouent normalement quand même eux contre des adversaires plus faibles qu'eux. Donc normalement. Ouais. Iron qui s'est quand même tapé le plus fort apparemment. Donc je regarde un petit peu Foulard et Drago. Déjà Foulard il est diamant. Ouais. Tu connais la map ou pas? La map, oui, je connais, c'est Zen. C'est Eternal Empire. Eternal Empire, du coup, comme ça, je vais host. Voilà. Le mec, super. Alors, est-ce qu'il est Iron? Hello Iron! Alors, tes impressions sur la game? Ah, il m'a scout et j'étais baisé. C'est une. Alors, c'est promptement dit, mais c'est correct. Ouais, très bonne analyse. Mais pourquoi aussi proche? Question. Pourquoi aussi proche là? J'ai niqué ma probe et du coup je l'ai mise là à l'arrache. Et tu connaissais pas le spot derrière le rocher qui fait qu'en fait quand tu mets en hauteur tu peux mettre tout le warp au même endroit. Tout le monde le scoute cet endroit. J'ai limite moins de chance de me faire scouter en bas qu'en haut. Ah ouais? Ouais. Bon. Tout le monde vérifie. Ouais, après c'est le problème du proxy. Hein, c'est le problème du proxy. C'est un peu. Aléa! Ah, ouais. Je passais pas, il y avait l'ops. Oui, non. Il a pas fait d'ops, je crois, même d'ailleurs. Tu sais s'il a fait un ops? Si, je crois qu'il a fait un ops. Quoique.
Non, non, il a fait Immortel, Immortel. En fait, t'aurais posé une Dark Shrine chez toi, mais il aurait scout parce qu'il il était full scout de Phoenix. Il l'a sorti, l'Obs, il l'a juste fait après, mais s'il avait vu un DT dans avec son écran, il aurait forcé, il tuait rien. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, il avait joué vachement safe. Il avait joué safe, j'ai tenté mon truc, c'est pas passé. Ouais. T'as, est-ce que tu allais lancer la charge comme tous les bons joueurs ou pas? Il a lancé la charge, il a lancé la charge. Ouais, j'ai lancé. Je voulais vite transi sur de l'Archon. Non, non, je parle de ton all-in. Ah, je voulais partir sur du bon 8 gate sur de base quoi. Ouais, t'as bourré avant du coup. Ouais, bah il avait raison. Il était mais il a eu un bon timing, hein. Il avait plus un attaque en plus. Et lui, il a skip le toilet, donc du coup, il a pu se permettre d'avoir des sentries. Il est totalement all-in de toute façon. Hein. Regarde son deuxième gaz. Ah, bah il avait pas de deuxième gaz en fait. Et donc, du coup, c'est qui le joueur en face cette fois-ci? C'est Drago ou c'est Foulard? C'est Foulard. C'est Foulard, donc qui est diamant, qui a un ZVZ à 51 win rate et qui a 3200 d'MMR, donc a priori ça devrait le faire. A priori ça devrait le faire. Bien. C'est le triple. Ouais, salut Aaron. Le triple V qui est aligné de notre côté quand même. Triple V pour 3 victoires d'un coup. Les mecs qui gagnent. Ah, Foulard qui refuse de rejoindre. Et toi, ton analyse de la game, du coup, par ce qu'il a dit, Aaron? Si tu devais rajouter quelque chose. Ben, je pense que, globalement, en fait, le problème des proxys en PvP, c'est que tellement tout le monde attend le proxy, qu'une fois qu'il a perdu ses deux adeptes, son adversaire est totalement libre de scouter ce qu'il veut, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas grand-chose qui va arriver de plus, en fait. Et, il aurait pu sauver ses deux adeptes, la game aurait été très différente. Parce qu'il ne peut pas sortir avec ses stalkers aussi, en mode autant YOLO. Même s'il sait que c'est deux adeptes, qu'il a la probe dans le wall, etc. C'est, voilà. C'est quand même... enfin, voilà, c'est l'absence des adeptes, qui, enfin, la mort des adeptes lui donne un désavantage qui permet à son adversaire de scout très très vite, en fait. Même si le but de son adversaire était quand même un BO d'expand hyper safe, c'est-à-dire 6 units expand avec une robot directement après. Globalement, c'est le meilleur BO défensif, je pense. T'es derrière quelqu'un qui part 4 units expand, mais globalement, t'es bien, surtout que tu pars Sentry Stalker. Je t'avoue que moi, c'est pas le BO que j'aime affronter. C'est, non, mais globalement, il y a c'est le BO qui a le meilleur winrate contre Mastrat d'ailleurs. Il a bien joué, hein. Il a bien joué, et puis entre guillemets, il n'y a pas de solution miracle. Alors là, on a un joueur Foulard qui décide de pas rejoindre la. Oui, il est en train de restart son PC. Il a un problème de. Ah, oui. Il est en train de restart. Donc j'attends qu'il revienne. Okay. Et moi, je me rends compte que j'avais. Mes premiers lobbying que j'avais lancés étaient dans le channel alpha d'hier. Le 6888 et pas le 6998. On a Foulard qui dit qu'il avait qu'il a des petits problèmes de PC depuis le dernier patch et qu'il va mettre 3 minutes à relancer. Ah, d'accord. Ce genre de PC. Bon, j'envoie un petit message à Vini pour l'encourager. C'est-à-dire que je l'ai bien insulté, c'est grandement. Comment? Pas du tout. Pas du tout, je l'ai pas insulté. Ouais, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, on a des joueurs qui ont des problèmes de PC aussi. Petite pensée. Hashtag. Moi, il y a un moment. Pierre aussi. Le petit Dassa. Moi, c'est, je parlais de toi. Hein. Ouais, moi aussi, ouais, il y a quelques temps. Ok. Don't worry, Maro, I saw the message. Why? It will hear that in 2 minutes. Tu parles pour le chat? Non, parce qu'il y a Maro qui m'a envoyé un message sur StarCraft. Ah, donc tu lisais, d'accord. Okay. Voilà, donc. Ouais, DW, don't worry. Ne t'inquiète pas. On est au courant, et donc du coup... Dans le chat, n'hésitez pas à mettre des messages, hein, les gars. On est des gens extrêmement interactifs. Exactement. Si vous trouvez que le cast ce soir est particulièrement intéressant, n'hésitez pas à le faire savoir. Les matchs n'en sont peut-être pas au même niveau, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est quand même dommage, on aurait pu être à 1-1 si... Voilà. Mais il n'y a pas de souci, de toute façon. quand on castera la GSL, on sera à notre juste niveau. Exactement. Voilà, notre niveau de caster, et nous, si on n'a pas les games qui suivent. Et on a 11 viewers quand même sur le chat aujourd'hui.
Ouais, voilà, dont la team adverse et le bro Zephyr. Ma tata et mon grand-père. non. Ah bah là, voilà, c'est mon grand-père qui vient d'arriver. Il met toujours 20 minutes à trouver. Ah oui, d'accord. Il a le même PC que Dasana. Ouais. Non, que Fou... Comment il s'appelle? Foulard. Parce que Dasana, en termes de PC bugué, c'est un... Eh voilà, on est parti, c'est bon, les deux joueurs sont dans le salon. Oh là là, I'm so hyped by this match. Vinny, the French player, versus Foulard. Ils sont quoi comme nationalité? Je ne sais pas du tout. Where are you from, guys? I have no idea. Ok. Ce chat qui ne répond pas. Mais en même temps, ils ont 2 minutes de délai. Je viens de regarder. Il y a 2 minutes sur de Alpha, délai. Sur Alpha et CLE, il y a marqué ils sont Poland. From Poland. Oh. On peut donc leur dire Nazdolovia. Nazdolovia. Elle dit, est-ce que Vinny est prêt? Est-ce que le bro Vinny est prêt? Et Vinny qui vient de dire ready. Je pense qu'on peut lancer. J'ai la chef Rose. Et on lance cette game. On est bien tous sur ce game art. Pas d'historique de partie. Parce que sinon, on se fait engueuler. Et voilà. Zbleu. En fait, aujourd'hui, c'est quand même la journée. On va se taper les 3 mirrors à la suite, quand même. Les 3 mirrors quoi? Les 3 mirrors. Oui, ouais, c'est ça. Il y a que des mirrors. Et tu sais ce que c'est la preuve qu'on est très très bon? On a réussi à rendre les 3 mirrors interactifs et intéressants. Et oui, exactement. Après, l'interaction, voilà, ce n'est pas que nous. Il faut que le chat réagisse aussi. Iron, si t'as le seum contre Protoss, n'hésite pas à le marquer dans le chat. Exactement. Et on est parti. Alors, du coup. Allez, vas-y, je te laisse présenter notre joueur. Notre joueur à nous, le monsieur Triple V. Vivi. Qui est chauve, qui est beau. Vivi, auteur du Vini Build, d'ailleurs. Qui n'est... pas son build. Qui n'est pas son build, mais je sais pas d'où il l'a tiré d'ailleurs. Il l'a tiré de Elazer. Ah, bah c'est le Vinny build maintenant. Désolé Elazer. Sorry Elazer, if you hear that. Vinny took your build, it's his build right now. C'est le 12 pool. Qui sera contre un 14-14. Enfin, un 13-14, pardon. Et face à lui, du coup, en bleu. Enfin, un 14-14, du coup. Foulard. Donc Foulard parti 12 pool et Vinny parti 14-14, c'est ça? Ouais, donc... Oula, ah d'accord, c'est bon. Donc il est bien là, à vrai dire. Il est bien si il comptait partir sur du speeding simplement et pas des bannings. Et s'il voulait partir sur des bannings, il va se retrouver dans une situation un peu moins bien parce que son adversaire sera plus macro que lui. Bah il y aura des spines quoi. Et avec des unités et des spines. Et une B2 plus vite. Là normalement ce qui va se passer c'est que le scout va se faire au moment où le premier overlord sera à peu près au niveau des cailloux, un peu, enfin au niveau de la pente à côté de la B2. Quand le premier overlord de chaque joueur ne croisera pas le deuxième overlord. Ce qui est un des timings en ZVZ pour savoir ce que fait son adversaire aussi, c'est regarder où sont les overlords. Même si certains joueurs du coup bait en envoyant leur deuxième overlord sur le côté pour ne pas croiser le premier overlord adverse. Mmh. Il est vrai. Oh, c'est les drones qui sortent. Et là ça aurait été intéressant de savoir où, donc c'est... Oh là 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 là. Ouh là là. Donc là Vinny il est très bien. Vinny qui savoir, Vinny, il le voit, on se met dans la vision de Vinny. Vinny qui le voit, qui recule ses Zerglings. Qui va attendre chez lui, qui a posé son bata bindling. Il est si bien, il pose une spine. Il pose sa petite spine. Oh là là. En fait, il la force. Il juste à éliminer du gaz et c'est parfait. Oh, il aime le gaz, Vinny. Deuxième spine, comme ça, il est sûr de pas être emmerdé. En wall en plus. Ouais, voilà. Là, en plus, c'est une spine qui va être totalement terminée. Il va se retrouver avec plus de zerglings que son adversaire en plus, au moment de l'arrivée. Il va avoir plus de zerglings et il va avoir autant de drones. Donc, du coup, concrètement. Les drones qui partent directement dans la ligne de minerai pour taper les drones de Vinny. Allez, Vinny, faut là, il peut plus qu'à avoir un combat drone contre drone et voilà. Ouais, drone contre drone avec des spikes qui se tiennent, ça va pas être. Voilà, et ça va être drone contre zergling. Et là, bon. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de. Il est un peu overkill, hein, mais. Et c'est le GG, voilà, Vinny. Vinny qui est tombé sur. Vinny qui est quand même tombé sur plus physique lui, c'est ça ce qui est intéressant aussi. Plus all-in que lui, plus all-in que lui. Ouais, plus all-in que lui, et c'est quand même un truc, ça c'est des BO dans lesquels le MMR ne joue pas du tout, parce que Vinny dans la situation inverse aurait pu aussi se faire écraser en fait. Pour le coup, c'était vraiment un counter build, on peut le dire. Vu que tu as un talent infini. Vinny. Est-ce que tu peux m'amener Vinny et me donner la map suivante? Il est déjà là, j'ai déjà remis. Oh là là, vas-y. Et en plus de ça, la map suivante c'est Zen. Ok. Ah oui, le bug. Salut Vinny. Bonjour. Salut Vinny. Bonjour monsieur, alors, nous voulons votre impression sur le match, racontez-nous.
Je vais pas vous mentir, j'ai regardé son historique et son dernier fait ça. Du coup, j'étais prêt, solide sur mes appuis. Très bien, donc le counter build assez. Voilà, puis en plus, c'était un BO que je fais même quand l'autre fait pas ça. Donc voilà. Alors, les deux spines un petit peu overkill quand même, non? Ouais, on va dire que je me suis dit, on va pas se chier dessus. on va assurer quoi. J'ai vu les drones, je me suis dit, c'est bon, de toute façon là. J'espère qu'il n'y a pas eu une pression extérieure hein, qui t'a poussé à. Non, si, je sais pas, un petit peu. Ouais. Non mais écoute, c'était une belle victoire. Je pense que c'était un peu overkill. Mais c'était une victoire. La victoire mais elle a une saveur. Exactement. Voilà. Donc si tu nous ramènes le point finalement, le premier point. Premier point. Ouais, donc là exactement. Il faudrait l'égalité de la part de Léopold. Ouais. Léopold qui est en partie personnalisée, à qui j'ai envoyé quitte ta game, fils de en pute. Culte. Fils de pute. J'ai lâché le FDP. Merci pour le soutien. Que ce sera qui, bon, en tout cas, Vinny, bien chaud. Je dirais que ce sera Iron Gold, moi, ou Dondada, ou Sebot. Super. Merci. Merci beaucoup pour cette ouais, je trouve que Vinny, c'est quelqu'un qui, dans la game, il s'engage à fond dans une stratégie. Par contre, quand tu lui demandes un avis, il s'engage beaucoup moins, tu vois. Bah, on va dire que voilà. Une expertise à toute épreuve. Mais ça dépend que de moi, j'irai au combat. Bon, Vinny, voilà. J'ai une question à te poser. Vinny, ouais. Est-ce que tu serais chaud pour une grosse session de BO streamé PVP contre moi? PVP contre toi, aïe aïe aïe. Que la singerie, elle est l'état pur. Ah, mais la quintessence de la singerie. pourquoi pas? Allez, on arrête le clan War et on fait ça. Non, pas aujourd'hui. Non, ouais. Mais ouais, avec plaisir, avec plaisir. Si tu veux que je t'apprenne à jouer, y'a pas de soucis. En fait, le problème, c'est qu'il connaît mon seul BO. Ah, c'est. Mais non, pour inventer le nouveau build. Ouais, je vais faire la MQ. Il faut toujours avoir plusieurs flèches. Je vais faire des adeptes. On se marque quoi? Si tu veux, plat. Eh oui. Percer ton adversaire. Ah là là. Bon, mais bah elle a maigri elle, c'est à la prochaine. Force et honneur pour notre prochain combattant. Exactement. Et je vais aller chercher et insulter Léopold, je ne sais pas ce qu'il fout. Léopold, tu joues maintenant, tu es attendu. Oui, je suis là. Oh là là. Quel impatient celui-là. Léopold, à table. Et Léopold, il y a 2-1 pour eux, donc t'as intérêt à gagner. Ouais, ok. Bon, vas-y, bisous. Ouais, là, il a pas l'air de. Voilà, c'est bon, je suis allé chercher le Léopold. Je suis allé à la chasse au Léopold sauvage. Ah, ma capacité, ça va t'être côté, Je te demande. Voilà, donc petit troll. Voilà, je demande si. Drago qui dit go. Et. Drago qui zère, donc ZVZ encore une fois. Ouais, non. C'est ton match-up où il est assez bon dessus. Puisque quand on enlève la saison actuelle, il a 52%, c'est-à-dire mieux que son ZVT et mieux que son ZDP. Donc, je sais pas si... est-ce qu'il était aussi bon élève, tu penses, que Vinny? Je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire particulièrement quand l'autre est en pause ou que l'autre est en retard. Donc là, il y a eu possibilité, je pense. Ouais. Bon, son adversaire, j'ai regardé un peu son historique rapidement, il a l'air de partir macro en ZVZ. Historiquement, c'est pas un joueur master. Hein. Il est master depuis 3 saisons et il est master 3. Donc. Faire qu'il est quoi 4K, jusqu'à 4K5. Donc, Dondada a normalement un petit peu d'avantage de MMR. Voilà, moi je pense que Léopold a quand même un avantage. Il part un peu. Un peu devant dans cette course. Oh, ils sont relous. Mais on verra bien. Oh, ils sont relous. Qu'est-ce que se passe-t-il? Orange contre rouge, ça me saoule. Ah! Ouais, moi ça va, mon écran. Ouais. Bon, bah du coup, allez, vas-y, je te laisse présenter notre joueur national. Le joueur national de la Team Under Wings, manager de l'équipe 3, joueur de l'équipe 2, le Zergo préféré de Digital. Exactement. Ah, il y a Vinny maintenant aussi, quand même. Léo Swag. J'espère qu'on a. Là, on a besoin d'un Léo Swag, hein, parce on que. On espère. Alors, juste petite question avant l'annonce. Attends. L'annonce. Oulalalalalala, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben, moi je. Ok, allez, avance le joueur comme ça on va pouvoir analyser un peu la game. Que... Bon ben, le grand face à lui, utilisant le BO qui a été popularisé par Scarlett en GSL. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça, attends, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas ça.
Ah mais non. Ah non, pas, on en a pas, pas. C'est pas ce build. Drago. C'est pas ce build. Drago, non, il est parti sur quoi? Sur un 14, 13, 12? Il est parti sur un hatch first, mais à 14. Ouais. Et il a fait gaz, puis pool. Et en fait, cette variante, c'est une variante qui pue de la merde du build de Nurigat. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, normalement, c'est l'inverse. C'est pool, gaz, c'est gaz, pool, hatch. Non, c'est pool, gaz, hatch. Et en fait, tu fais un drone avant. D'accord. Ce qui permet d'avoir la hatch posée à 50. Là, la hatch a été posée aux alentours de 45. Donc il a une hatch plutôt que son adversaire. Plutôt. Donc la hatch est particulièrement rapide, alors que. Comment dire? Lui, il a fait hatch 16, tu vois. Regarde, Léopold, il a fait hatch 16. Donc le Sog, il va arriver, il va voir qu'il y a un problème en fait là. Bah, il y a déjà une hatch. Donc là, il peut se poser la question. S'il utilise son cerveau, qu'il connecte ses neurones, il y a moyen qu'il comprenne. Et il recule son Overlord, je pense qu'il a compris. Oh là là, il le feinte en plus. Il le fait bien, il le feinte. 8 links. Il lance 2 drones sur la B2. Ouais, 8 links qui sont lancés que son adversaire. Là, alors, il a juste coûté le creep. Il lance 4 Zergling, je pense qu'il a compris. C'était 4 Zergling de scouting. Hein. Son adversaire qui. Il lance un drone, 2 drones. Ah, est-ce qu'il l'a vu? Non, je pense qu'il a compris parce qu'il est en train de garder son gaz dans la B1, donc du coup, il va pouvoir avoir Baniness super rapide. Et c'est concrètement le contre, hein. Baniness super rapide. Et... Là, il aurait là potentiellement ah, ce qu'il pourrait. Non, il fait son 2 build de piste. Non, mais c'est sûr qu'il va faire son build de piste, tu le sais. Bah, justement, je voulais débattre de ça avec toi en fait. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un build. Que... Moi, je pense qu'il a raison de faire son build de piste contre des gens de son niveau. Parce que c'est un truc qui peut arnaquer. Mais par contre, je trouve que contre un joueur qui est moins bon que soi, ça paraît nul. Je le trouve nul ce pari. Oui. C'est un pari où tu pars perdant parce que justement tu joues contre un adversaire qui est moins bon que toi en fait. Bah là le problème c'est qu'il va se faire catch ses 4 Zerling. Et que à ce moment là, il y a 25 Zerling qui vont faire coucou. Moi j'ai le speedling. Ouais, et là il va les voir, mais il va les voir au moment de leur sortie. Ouais, là il va falloir se full wall. Allez, faut se wall devant là. Allez, Une Evo sur le minerai, enfin genre une Sporch. Une Evo sur le minerai et Batabane sur le minerai, ouais. Oula, oula, oula. Et il va lancer, il rapproche les drones là pour lancer 2 Evo. Ah, ok, une Evo. Il va peut-être pouvoir wall. Non! Oh, bah c'est. Et ben, GG. Oh, le tronc! Oh là là, mais pourquoi? GG du coup, voilà. Son build de piste. Oh, mais quel build de piste! Allez, utilise tes drones. Hold position, fight un peu, hold position. Non, mais là c'est ingagnable, c'est ingagnable. 4 drones qui sont déjà au tapis. C'est ingagnable, c'est ingagnable. Il y a sa repro de ligne qui va sortir. Bah le problème c'est qu'il aura perdu trop de drones en fait. Et ouais. il va se faire bourrer en continu et il a plus de queen donc il peut pas inject. L'autre, il a plus de queen, il a plus de drones. Et, oh là là. Et Dondada et là. Qui se roule le clan war contre un joueur diamant. Non, il master 3 quand même. Non, il est diamant actuellement. Tu veux dire sur la même heure? Ouais. Et dans les grands chargements il était marqué diamant son adversaire. Ah. Ouais mais c'est pas dans sa race. Oh là là. Bon. Aïe. C'était pas Léo Swag. Bonsoir. Bonsoir, une bonne game, j'ai bien aimé. Mais mec, t'avais tout scout. Mais j'avais tout scout, j'ai tout scout une seconde avant qu'il parte avec tout. J'adore sortir ça à quelqu'un qui. J'adore sortir ça à quelqu'un qui sait faire tease, t'avais tout scout. Ouais, non, c'était. Pour t'expliquer, entre guillemets, pour que tu saches pour la prochaine fois. Il mais a posé sa hatch à 44 hatch, secondes. Trop tôt, oui. Enfin, je sais pas si c'est 44, mais c'était. 43. C'était vraiment très tôt, quoi. Ouais, par rapport sais, à toi qui a fait hatch 16. Donc, ouais. Donc voilà. Et oh là là, mais quelle idée! T'es content d'avoir fait ton build plus un attaque? Je suis très content. Bah, j'aurais fait un autre build, ça aurait été pareil. Hein. Non. Parce que si t'avais fait Baniness à la place de ton Evo. Oui, j'aurais eu 2 Banning. Bon, il s'est splitté le coin. Bof. Alors, 2 bending, quand t'as 20 Zergling, c'est quand même. Et en vrai. Beaucoup, quoi. Tu lui prends 4-5 Zergling déjà, tu peux presque défendre avec ta riprod et tu temporises ta riprod et tu tiens. Et puis oui, le wall. Oh, ah, le wall. Le wall. Ouais, mais gros, j'ai pas eu de chance. Et il sort, il est très bien wall, mobile. J'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Mais fallait annuler quelque chose, je sais pas. T'as nul obligé de faire un wall. Mais t'as nul ton plus 1 attaque pour poser ta sport, enfin t'as ton évo. T'as nul ton plus 1 pour lancer ton wall. Ouais, plutôt que de... ta gueule. Je pensais que ça allait passer. Merde. Non, il faut t'es du... mignon, toi.
Bah, il sait qu'il... Oui, on sait qu'on est mignon, ça, on sait, non, mais... on sait qu'on est beau gosse, ça, y a pas de problème. C'est l'analyse post-game, hein. Forcément, t'es pas parfait, t'es pas Serral, donc tu réagis pas comme Serral. Mais a priori, si tu fais une analyse un petit peu plus poussée que juste j'ai perdu, parce que bah, j'ai perdu, ouais, c'est... et ben ouais, par exemple, une piste d'idée ça aurait été de waller parce que en annulant ton +1 ou waller parce que tu annules. Ouais, mais gros, moi je pensais que j'aurais le temps, j'avais le temps, tu vois. Niveau ressources, ça va, tu vois, 75 de ressources, c'est pas grand chose. Ouais. Ouais, mais là. Mais c'était trop. Mais en vrai, je crois que j'aurais pas eu le temps, même si j'avais eu les ressources. Tu vois. Bah, parce que c'est... mon drone, il était pas à la place. Non, avait... non, mais non, il fallait que tu lances plus tôt, en fait. Du coup, il fallait annuler et lancer plus tôt, enfin. Tu vois, c'est ouais, plus voilà. L'annulation. Oui, oui, oui. Je sais. Non, mais gros, bon. Déjà, l'idée de voler, elle m'est arrivée en mode homme, oh, je suis trop intelligent, en fait. Oh mon dieu. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis intelligent, quoi. Putain, mais quelle action. Cet auto-suçage de vite. Ouais, j'étais très fier de moi et tout. Ah là, t'as perdu contre un diamant quand même. Ouais, bah. Mais tant, en gros. Bah, j'ai plus perdu contre un build que contre un diamant, mais ouais. En meilleur match-up, on n'est pas très bon chez Angel Wings. Voilà. Ouais. Ça fait deux couloirs d'affilée qu'on perd 3-1. En team 1, 1 en team 2. C'est qui a gagné du coup? C'est Vini qui a gagné? C'est Vini, ouais. C'est Vini qui a gagné, ouais. Mouka qui gagne hier et Vini qui gagne aujourd'hui. Ah là là. Que les Zergs. Les Zergs qui carrient toujours Jed Wings. Hein. Ah là là. Bah, en même temps, y a depuis la nuit des temps. Comment? Hein? Je dis, il y a que des Zergs. Non, ah, y a... non. Pas dans l'équipe. Non, non, il y a Project, il y a. Y'a T, y'a Dext. Y'a le Morse et Yumo quand le Morse il joue. Ouais. Y'a. Comment il s'appelle? Yumo il joue pas Zerg, hein. Ça faut savoir. Donc, Comment il s'appelle? Il joue pas Zerg encore. Bonsai aussi. Il a jamais vu jouer Zerg. Quand il joue. Bonsai quand il joue, effectivement. Bonsai il est Morse quand il joue, ouais. Enfin, le proto c'est Terran quand il joue. Ça. Quand ils sont pas en train de faire de la full coop. Donc, non, non, l'équipe 1, c'est pas que des Zerg. L'équipe 3 non plus. Ah ouais, ouais. Non, l'équipe 3, ouais, il y a pas mal de Terran. Ouais, c'est du Terran, l'équipe 3. Et quelques protos, enfin, deux protos, je crois. Il y a Tortue et Hera. Et est-ce que c'est une coïncidence que ce soit les Terran qui gagnent le plus, du coup, hein? Non. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah là là, putain, aïe, j'ai une somme de ma vieille game, quoi. 4 minutes. Oh. Vigny et toi, en vrai, c'est des games genre. Ça a lancé, c'était fini quoi. Enfin, on a quand même fait le clan war en 49 minutes. Hein. Non, mais en vrai, ouais, j'aurais dû péter un cap quand je voyais que sa hatch elle était déjà finie quoi. Mais ouais. Bah, et même après, tu pouvais quand même réagir, tu vois. En commençant par waller sur cette map, c'est facile de wall, tu mets deux bâtiments. Merde, c'est ce que j'étais en train de faire en fait. Tu lançais des queens en continu, tu faisais une spine défensive et t'es... Et puis en soi, même si t'arrives pas à waller, ce que tu peux faire pour rester en vie, enfin essayer, c'est tu mets tes deux queens sur la rampe et puis tu... Oui, sauf que moi dans mon idée, je volais sur ma base, tu vois, et c'était réglé. Du ouais, coup, mais après quand tu vois que ça passe, bon. Ouais, mais quand après, tu vois que dur. Ça passe, ta queen elle est sur rampe en fait. Tu l'es, merde. Après, faut préparer à l'avance, quoi. Je trouve un peu agressif, quand même, aujourd'hui, le Léopold, là. Ouais. Tu penses que c'est un rapport avec le fait qu'il est nul à chier, ou moi, quoi? Moi, je vous emmerde un poil, voilà. Non, mais y a pas de soucis. Bon, c'est dommage que tu sois pas très bon, quand même, mais... Ouais, bah, ça change pas, hein. Non, ça change pas. Du coup, on s'est fait péter. Du coup, c'est pas une bonne semaine pour AW, là. C'est pas une bonne semaine, là, quoi. Est-ce qu'il y a un match équipe 3 bientôt? Demain, c'est équipe 3, c'est ça? Demain, manager équipe 3 qui ne sait pas. Non, demain il n'y a pas de match. Équipe 3. C'est quand le quand est-ce un qu'on... match le 19. Ouais, mais 19 c'est de la Coupe Roulou. Ouais. Et en Alpha, il y a un match le 20 en équipe 3 et le 25. Ok, ben moi le problème c'est que voilà, j'ai un manager qui met les matchs les jours où je peux pas être là. Ouais, bah, le manager il a pas bien de choix quoi. Bah, sinon, tu refusais le changement du match qui était carré peuple
L'autre week-end, là, le 20. Regarde, il est déjà full mon match. Moi, il me manque un joueur, mais... Ça va, quoi. Bah, ton Terran. Non, j'ai pas le droit. Ah oui, c'est con. Sinon, j'aurais carré j'aurais en Terran. Ou pas. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire comme il a carré ce soir, mais du coup... En fait, le pire, c'est qu'il était à deux doigts de carry, de gagner cette game-là, puis jouer l'Ace, le gagner, enfin, ça fait être le putain de MVP. Ça aurait pu être une belle histoire, ça aurait pu être une belle histoire. Mais jamais j'aurais joué l'Ace, gros. C'est Iron qui aurait joué l'Ace, vous êtes des fous. Ben... Moi, je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que le meilleur joueur en face, ça aurait probablement été aligné en tant que qu'Iron. Qu'Iron, que le joueur adversaire Iron. Ouais, le Protoss. C'était le Protoss en face. Et clairement, je pense que celui qui a le plus de chances de l'arnaquer, c'est Vini, quoi. Ouais. Je pense, hein, voilà. Ouais. Ah, c'est dommage, il y avait quand même deux free wins à prendre, on les a pas prises. Ouais, une game. Ouais. Une game, on partait des pas favori, on aurait pu la gagner. Et Iron, la game tendue, c'est Iron, et il a pas eu de chance. Ouais. Après, la game de des sidebots en soi, c'est pas vraiment de sa faute. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il avait juste pas l'expérience en fait. Non, justement, c'est ce que je dis. C'est la game, on n'était pas parti gagnant, on a failli la gagner. La game, on partait. Ouais. C'est la seule game où on partait en théorie vraiment perdant. Oh, mais c'était free win le build, tu vois. Oui. Vu ce qu'il avait fait au début, c'était free win. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Parce que en fait, je pense qu'il a vraiment pas l'expérience de build et genre il a pas eu l'habitude de. Ouais, et il stoppait les Reapers de sortir, il aurait eu le GG instant. Hein. Et toi, Léopold, t'as pensé quoi de ce clan? Moi j'ai pensé que les parties de 4 minutes c'est chiant. Quoi. J'ai même pas pu avoir mon plus 1 d'attaque quoi. Terrible. Ah, ce fameux build plus 1 d'attaque que certaines personnes détestent et d'autres personnes adorent. En fait, on en parlait justement avec Light, on disait en fait on comprend très bien pourquoi tu le fais contre des joueurs qui sont de ton niveau ou d'un niveau proche. Ou plus fort, moi je comprends plus fort. C'est contre des joueurs plus forts. Voilà, parce que ça surprend, etc. Parce que c'est à la base, hein, tu dis. Et c'est plutôt pas mal. T'es comme Vinny qui me dit qu'après son Swarmos, c'est une base qui dit je suis parti macro. Parce qu'il se retrouve dans une situation où il a 4 bases. Enfin... Ben voilà, c'est la même chose, gros. Bah oui, mais c'est vraiment un cheese le Swarmos, c'est une base par contre. Mais non, gros. Mais non, c'est macro, Swarmos, c'est une base, tu racontes. C'est quand même Light qui dit que mes run by c'est des all-in, quoi. Je fais des run by, il dit c'est des all-in. Qu'est-ce que tu racontes ? En ZVP là. Ah oui, mais attends, parce que c'est vrai que tous les Zergs, ils font 20 Zerging, ou enfin, il y a environ quoi, 20 Zerging avant les 4 minutes de jeu, alors qu'il y a un wall, alors que tu vois, genre, il s'est rien passé avant. Bah, si, il y a eu un premier run by qui est passé. Non, il y a eu aucun premier run by qui est passé, par contre, il y a eu un adepte qui est passé chez toi et qui a tué 3 drones. Bon. Voilà. C'est les Darox. C'est ce qu'on appelle une Darox. Ouais, là. Qu'on peut cut le stream. Je vais practice, objectif 5 à 3. Je vais voir qui je vais rappelle. Host. Qu'est-ce qui stream? Project ne stream pas. Chez nous, il n'y a personne qui stream, je crois. Chez nous, c'est un peu la zone. Et samedi, tu peux pas jouer, toi, Jitool? Nope. Non. Mais les samedis, je peux pas jouer, moi. Les samedis, je sors. C'est quand la fête de la musique? C'est dimanche? Moi je peux aller dimanche. J'espère que va. Je pense que je vais. Vinny, tu lances ton stream ou pas? Quoi? Est-ce que tu lances ton stream maintenant? J'ai pas compris. Est-ce que tu lances ton stream? Non, j'ai pas prévu là, pourquoi? Ou vous fier? On lui coupe, mais il y a plus que 4 viewers, je pense que c'est bon quoi. Ouais, bon. Sur les 4 viewers, il y en a 3, c'est nous. Non, moi je vais pas streamer ce soir là. Ok. Je vais pas jouer, je pense. Ah, t'as trouvé. Ah, bah oui, c'est. T'as trouvé une façon d'hoster? Oui. Ah, on fait comment? Slash host, non? Ah, bah non, j'ai pas. Attends. Ah non, on a pas le droit à ça vu qu'on est éditeur. Là, ses propositions. Non, on peut. Attends, est-ce qu'on peut depuis depuis le gestionnaire de stream. Action rapide. Lancer un raid sur une chaîne. Ouais, t'as que ça. Ok, bah c'est ça, hein. C'est ça. Bon, allez, j'ai envoyé ça chez qui? Qu'est-ce qui stream du StarCraft? On voit sur Roger, ça nous fera de la pub. Ouais. Ils s'en battent les couilles, ils ont si même pas les. On voit les deux viewers sur Roger. Ben ouais.
Je sais même pas s'ils ont l'overlay qui dit on s'est fait hoster par quelqu'un, genre, tu sais. Ouais, si, oui, si, tout le monde. Ils vont peut-être le dire en mode sans faire exprès, tu vois. Genre, allez, vas-y. Je sais pas s'ils ont. En fait, ils sont tellement peu hostés, genre, ça arrive jamais qu'ils se fassent host que j'ai jamais vu. L'overlay s'afficher. Je vais regarder exprès. Allez, j'ai lancé le raid. Ah, bah, y'a le Dreamhack Master. Stefano qui se fait bourrer par Silous. Qui va probablement perdre la troisième game. Aïe, aïe, aïe. Protoss. Bon, alors, ça peut être Stefano. Somme de maille.